Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo achat du mois de août. Donc juste je vais te faire avant en première partie ma pile à lire pour le mois d'août. Comme ça tu comprendras en fait tout simplement pourquoi techniquement je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'achats à part les 3 que j'ai là. Sachant que le jour où je filme avec cette apparence et tout ça, on est le 3 août. Voilà. Ouais, je sous-entends que normalement j'ai déjà fini mes achats en fait. Il y a eu le tome 4 et 5 de From the Red Fog. C'est normal parce que du coup j'avais lu les 3 premiers tomes. Je t'ai montré d'ailleurs dans les achats de juillet, j'avais acheté le tome 2 et 3. Donc j'ai lu la série, je l'ai fini là aujourd'hui, au jour où je filme, je l'ai fini hier. Et donc ça sera une vidéo pour le mois d'octobre. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai acheté la suite. Et donc pour terminer au niveau des achats, en espérant que je sois restée sérieux et que je n'ai rien acheté d'autre pendant le mois, il y a eu du coup le tome 2 de Le goût des fraises. Alors ça j'avais lu je crois soit que le premier chapitre, soit presque l'intégralité du tome 1, avant de me rendre compte que la série était terminée en 4 tomes. Le tome 3 est sorti en juillet, le tome 4 si je ne dis pas de bêtises sortirait le 10-10, donc 10 octobre, donc qui sera présenté en novembre. Voilà, tout simplement, et très très hâte de le lire, parce que en tout cas ce que j'avais lu la dernière fois m'avait à fond convaincue. Alors je pense, je suis presque sûre à 90%, que j'ai déjà fait une première partie avec des achats faits en août, et que en fait je crois que j'avais acheté 3 ou 4 mangas, et comme je trouvais ça débile en fait de vous présenter aussi peu, j'ai pas dû le présenter, donc ça a dû être dans la partie d'avant. Donc on va parler de cette petite pile là. À savoir juste que, en fait, il n'y en a qu'un que j'ai acheté vraiment en septembre. Parce que les autres, je les avais achetés en août, début août, je crois. Et je les avais paumés. Non, genre vraiment paumés. Voilà. Et pour moi, la semaine dernière, j'ai fait du rangement un peu dans cette pièce. Et ils étaient posés sous quelque chose qui n'aurait pas dû être posé par-dessus. On a donc Color Collection, qui est un one shot des éditions Delcourt Tonkam, et donc que je vais présenter là moi le jour où je filme, on est le 9 septembre pardon, et je vais le présenter du coup prochainement. Tu auras eu déjà la vidéo à vie. Ensuite, pardon, je vais te montrer quand même la qualité de dessin. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 36 000 secondes in the day. Tout simplement à cause du nom du mangaka qui est l'auteur de ce titre. J'ai perdu son nom. Voilà. Et ce titre-là, il était vraiment giga trop bien. Donc du coup, j'ai acheté l'autre de l'auteur. C'est chez les éditions Vega Dupuis cette fois-ci. Ce que j'aime à l'arrière, c'est que même si on nous a mis au niveau de la jaquette des images du manga, en fait on nous met les noms des personnages. Je trouve ça plutôt sympa. Ah, on voit notre personnage. C'est la même fille, mais j'aime bien l'expression, etc. Donc voilà. Ensuite, on continue avec un je crois qu'il est classé Kodomo, hein. Les éditions Doki Doki, c'est Hamster et Boule de Gomme. Voilà. Donc, une plongée feel good et éducative dans la vie d'un petit hamster. Okay. La phrase pas trop con. Je pense qu'on va être sur une page, une petite aventure. Ouais, un petit truc comme ça. Moi aussi j'aurais dû le prendre parce que je suis en train de voir que limite on voit juste la vie du hamster et on voit même pas son humain. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le prendre, c'est pas grave. De toute façon, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai mon neveu maintenant qui a 7 ans et demi, bientôt 8, qui s'intéresse au manga, donc ça peut lui plaire. Et j'ai aussi un ami en fait, à qui je prête mes mangas pour ses enfants, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, pour
continuer, on a Salade D, tome 4 des éditions du coup Nazca que j'ai acheté, je tiens à préciser. Voilà. Je vous ai présenté, je crois, le tome 1 et 2, ou je sais plus où j'en étais. Et donc, voilà. Je peux pas vous montrer, je suis bête, vu que c'est une suite. Et on va terminer avec un N-manga. Ça va choquer, il déplaire à certains que je continue d'en lire. Red Hearts et Brunette. Je te mets l'image floutée à côté de moi, bien entendu, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. C'est des éditions Seiko, donc on a des cartes à l'intérieur. C'est dans le genre Crimpy, NTR et Idol. Et il est au prix de 14,50€. Je crois que vraiment, il va falloir que je trouve le contact des éditions Dynamite, parce que c'est les éditions Dynamite et c'est le label pardon, Seiko, pour voir si je peux pas avoir des collabs avec eux, parce que franchement, 14,50€, moi je n'achète plus. Hein. Alors certes, il y a des petites cartes à collectionner, mais moi ça m'intéresse pas les cartes. Donc, pour t'expliquer, la première partie que tu as vue avec mon apparence comme ça, où je te disais que je savais plus si j'avais fait une première partie ou pas, et s'il allait avoir une suite, c'était ce matin. Et j'ai complètement zappé que j'avais commandé sur Amazon, oui, jetez-moi la pierre, quelques mangas. Alors, je m'explique, il y avait déjà un livre normal qu'on devait acheter pour ma maman, mais maintenant Amazon, il y a cette histoire d'atteindre un certain montant pour ne pas payer les frais de port ou un truc comme ça. Et moi, en fait, comme, on ne verra pas, mais j'ai Hitman des éditions Pika que j'ai pas jamais complété parce que je me suis dit je compléterai quand je lirai. Ben en fait, il s'avère que Hitman a été annoncé comme allant être stoppé par les éditions Pika. Donc du coup, dépêchons-nous, achetons les derniers volumes qui manquent, etc. Et j'ai rajouté aussi un tome d'un manga parce que j'avais un trou. J'avais acheté le tome 1 au début et plus tard, dans les dernières vidéos, là, achat, j'avais aussi acheté le tome 3 et donc il manquait le tome 2. Donc ça a complété et ça a fini la bannière. Voilà. Après Amazon, pour du manga ou autre, je crois que ça fait plus d'un an que j'ai pas commandé. Donc, hein. Tout le reste a été pour les libraires, alors c'est pas grave. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas tout reçu en une fois. Ça par contre, vous voyez, je pense que c'est un truc qui manque à Amazon. C'est de pouvoir cliquer sur « c'est pas grave, je peux attendre que le dernier de, par exemple, manga soit prêt ou soit dispo et tout ça. » Voilà. Bref, toujours est-il... le tome 2 du coup du Le Charme de l'Uniforme, vu que j'avais acheté le tome 3 et le tome 1, c'est celui-là du coup dont je parlais. Voilà. Ensuite, le tome 12 et le tome 11 de Hitman. Et donc il me manque le tome 10 et le tome 13, je suppose. Voilà. Je trouve la couverture ici magnifique, elle fait très automnale. Et ça, c'est mon ventre qui est en train de grogner parce qu'il a encore un peu faim. Voilà. Donc, c'est tout en ce qui concerne mes derniers achats. Je te montrerai, bien entendu, à la suite de cette vidéo, les autres. Et de toute façon, tout le mois de septembre, même si normalement, j'envisage pas d'acheter grand-chose. On continue et termine donc cette vidéo achat du mois. Donc, comme je l'avais expliqué, Hitman, j'avais acheté l'intégralité. Sauf qu'il me manque encore un tome. Je dois le recevoir entre le 20 et le. Enfin, le 19 et le 20. Le jour où je filme, on est le 17. Mais j'ai terminé cette vidéo là parce que de toute façon, je ne vais rien acheter d'ici la fin du mois. Donc, j'ai reçu entre temps le tome 13 de Hitman. Et j'ai acheté en occasion. Alors, moi, il m'a pas coûté 5,20€, il m'a coûté 2,90€. Corpse, je suppose, Party Blood Covered, du coup, qui coûtait 5,20€, moi j'ai payé donc, alors, il coûtait 7,95€, en occasion il était à 5,20€, et moi je l'ai payé 2,90€, voilà, on va y arriver. Et donc, en ce qui concerne ce manga, bah, je crois, si j'ai bien suivi, qu'il y avait plusieurs suites, donc je sais pas du tout si on aura des suites ou pas, parce que quand j'ai regardé au niveau de l'auteur, j'ai pas vu qu'il y avait d'autres. La suite en fait, par le même auteur et dessinateur. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont avoir les suites ou pas? Et sinon, est-ce qu'il y a un animé ou pas? J'ai juste vu ça l'autre jour quand j'ai cherché l'image. Je suis tombée sur une liste et donc j'ai compris comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo achat du manga du mois. N'hésite pas à me dire quels sont toi les titres que tu as achetés, ceux que moi par exemple, mon avis t'intéresse le plus, etc. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt !